y a la bioélectricité qui commence à se faire. La bioélectricité, moi je ne suis pas du tout dans ça, pour l'instant du moins, mais j'ai quelques collègues qui ont assisté à une formation de bioélec qui permet de ne pas avoir de l'électromagnétisme dans toute la maison. Vous avez des machines qui arrivent à voir où sont l'électromagnétisme, et, mais après ça existe, oui, que j'ai des collègues qui ont monté leur propre boîte spécifiquement dans le bioélectromagnétisme. Je vais vous donner un exemple. Entre une gaine qui passe dans du placo, par exemple, et une goulotte sur du bois. Alors, la gaine dans le placo, il n'y a pas beaucoup d'électromagnétisme. Par contre, vous mettez une machine qui arrive à voir l'électromagnétisme et vous le collez au bois. Près de la goulotte où les fils arrivent, la machine va se mettre quasiment à fond. Mais vous vous collez 5 mètres après, si le bois, si c'est un mur totalement en bois, vous vous mettez 5 mètres après contre le mur, la machine s'affole en disant qu'il y a de l'électromagnétisme de partout. Parce que le bois, il est conducteur. Voilà. Donc c'est en fonction du matériau et en fonction du passage de câble de la maison qu'on peut limiter l'électromagnétisme, en tout cas.